Mais mon coco. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous le criminel, donc je vous arrête. Maintenant, je dois retourner à la caserne au triple galop pour avertir mon commandant de la situation. Moi, j'ai une meilleure idée. Sergent, vous allez nous conduire au camp des Yakis. Mais mon coco... Désolé, non. Garcia, mais je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites. Hop, Monasterio, on lui dira plus tard. En route. Toi, va préparer une assiette pour la squo. Mangez. Oh, merci beaucoup, je meurs de faim. Vous voulez bien me détacher, me donner un couteau et une fourchette? S'il vous plaît, Yuma. De toute façon, je ne risque pas d'aller bien loin puisque j'ai les pieds attachés. Vous savez, je crois que je comprends le combat que mène votre peuple. Vous en êtes peut-être déjà aperçu, il y a du sang choumache qui coule dans mes veines. Je connais bien les conditions dans lesquelles vivent les Indiens. Ma grand-mère... Ça suffit, taisez-vous maintenant. La vie a toujours été plus facile pour les choumaches que pour nos autres Yakis. Les colons nous ont volé tout ce que nous possédions. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos biens et ils nous ont persécutés. C'est pour ça que nous sommes venus ici, en Californie. Je continue de penser que la paix est possible entre les rancheros et les soldats. Quelle paix? La paix, c'est fait pour les lâches. Et si le vrai courage, c'était d'accepter de courir le risque de vivre ensemble? Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je suis à la fois la fille d'un ranchero californien et d'une princesse indienne choumache. Si jamais il y avait une guerre, quel camp devrais-je soutenir? Pour qui devrais-je me battre? Rien ne nous empêche de partager le même territoire et de vivre en bonne entente. Yuma, grand chef des Yakis, tu deviens de plus en plus fatigué. Tes paupières sont de plus en plus lourdes. Tu ne penses qu'à dormir. La journée a été si longue, tu es à bout de force. Il est grand temps de s'allonger par terre et de faire un bon gros dodo. Bien. Tout d'un coup, je me sens très fatigué. Je crois que je ferais mieux de dormir un peu. Réveillez-moi quand le soleil se sera levé. Alors, señorita, on veut aller se promener au clair de lune? Lâchez-moi! Posez-moi immédiatement par terre, grosse brute! Oui, j'ai vu, sergent Garcia. Nous y sommes. Allez, tornado, à nous jouer! Je vous laisse passer devant, hein, Zorro? Je serai juste derrière vous! Qu'est-ce qui se passe? Vite, aux armes! Vite, Inès, en selle, on y va. Oh, Zorro, laissez-moi tranquille, espèce de sale méchant hors la loi. Tu préfères rester leur prisonnière? Oh, le rossignol s'est arrêté. Cui-cui, allez, chante. Cachons-nous. Halt! Je dis halt! Restez où vous êtes! Vertuco, j'en étais sûr. Je suis simplement venu surveiller l'église et essayer de mettre la main sur le criminel. Le criminel? C'est vous le criminel! Donc je vous arrête! Quoi? Comment?
Non, vous n'avez pas le droit. Si, j'ai tous les droits, justement. Dois-je vous rappeler que je suis le commandant de cette garnison? Attendez, j'ai quelque chose sur moi. Ne faites plus un seul geste. Je ne tolère aucune menace de quiconque. Bonsoir, seigneuresse. Zorro, je savais que vous étiez complices tous les deux. Non, c'est faux. Je n'ai ni besoin ni envie de votre aide, c'est compris. Je peux régler cette affaire moi-même. Je sais que vous en êtes capable. Mais il semblerait que Don Ramirez n'ait pas la moindre intention d'écouter ce que vous avez à dire. Maestro, j'avoue que je vous préfère nettement en poète. La douceur des nuits de notre chère Andalousie, les enivrants parfums des jardins de Cordoue. Regardez, un gentil rossignol. Oh, mais c'est un Z. Ne me remerciez pas. Tiens, 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 le petit oiseau s'est envolé. Maintenant, nous savons qu'il y a un troisième complice. Vite. Zorro est monté dans le clocher. Il est piégé. Cette fois, il ne peut plus nous échapper. Garcia, apportez-moi une échelle tout de suite. À vos ordres, commandant. Wow! Très joli coup, señorita. Olé! Debout, seigneuresse. Ne laissez pas une faible femme et un vaquero vous ridiculiser. Faible femme? J'ai eu chaud. À nous. On est là, mon commandant. Échelle en place. Plus vite que ça. Oh. Dans ce sens là. Dans l'autre sens. Non. Plus vite, plus vite. Attention. Messieurs, libérez immédiatement les prisonniers. Zorro. Mais non, Gonzalez, pas la peine de vous déranger. C'est rien, c'est juste une hallucination. Oh non, c'est Zorro. Il m'a fait un Z. Tout le monde a bien vu que c'était Zorro, sergent. Mais pourquoi il m'a pas fait un Z à moi? Une autre fois, caporal. Je vous promets que je ne vous oublierai pas. Je jette l'éponge. Les soldats de Sa Majesté sont trop malins pour moi. Mais je reviendrai bientôt. Lancier, capturez-le! Poursuivez-le! Ne le laissez surtout pas nous distancer! Bravo! Bon travail, Bernardo. Heureusement pour nous que Zorro est dans notre camp, hein? Luis, vous êtes toujours là pour moi. Vous auriez fait la même chose à ma place, Alejandro. Dépêchez-vous, il faut vous trouver un endroit sûr. J'ai vu Bernardo, il m'a prévenu. Merci, Taina. Sais-tu où est Diego? Il se cache, mais il trouvera bientôt les vrais coupables. Hein? Les prisonniers ont disparu. Et qu'est-ce qu'on fait pour Zorro? Où est-ce qu'il est passé? Aïe! Oh là! Oh, maudit tonneau! Cette caserne est une véritable passoire. Nous finirons par capturer à nouveau les fugitifs, votre excellence. Et en plus, j'ai été obligé d'interrompre mon petit déjeuner. Le chocolat doit être froid maintenant. Mais enfin, commandant, je viens de sauver la vie du gouverneur. Vous pourriez me remercier. Regardez, sur le balcon, c'est Inés de la Vega. C'est elle qui vient me tirer. Oui, j'ai vu.
juste là. C'est elle qui a tiré sur le gouverneur. Allez, tu viens juste un petit poil plus haut. Oh. Oh. Impressionnant. En avant, ils sont derrière l'auberge. En avant. C'est bon, c'est bon. Dégagez-moi ça immédiatement. Ils sont là. Ils sont là. Oh. Capturez Zorro. Et pas Inès des Navegas, commandant. Non, Zorro, je veux Zorro. Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez, sergent? C'est pas comme si je savais voler, mon commandant. Et juste avant, c'est le moment d'apprendre. Yeah. Oh. Oh non. Oh. Adios, commandant. Hein? Je pense que vous et la señorita avez beaucoup de choses à vous raconter.